On m'accuse d'être votre maîtresse. On voudrait maintenant que je sois obligée de vous aider. J'ai reçu une lettre anonyme, moi aussi. Tu es au mieux avec Germain l'avorteur. Je te conseille de cultiver cette relation. Tu en auras peut-être besoin si ta fille Jeannette continue à passer des heures entières dans le bureau de ton médecin-chef. Malheureusement pour vous, je viens de la pharmacie. Toutes les ampoules prescrites sont portées comme sorties. J'ignore si vous les employez à votre usage personnel ou si vous les revendez, mais il faudra les retrouver avant demain matin. Fayol a reçu une lettre. Ben, ce qu'il y a de plus grave, c'est que j'en ai reçu une, moi aussi. Et pourquoi plus grave? Parce que je suis un homme public, monsieur Fayol. Tu crois que je ne te connais pas? Tous nos locataires, tous, il te les a fallu. Sauf le boy scout et le vieux Frochard. Et encore, je suis pas sûr du boy scout. Heureusement que ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a ouvert l'œil. Quelle lettre? Celle-ci. Quoi? Vous vous levez à l'instant et vous avez déjà les doigts tachés d'encre. À l'assassin anonyme, il fallait du sang. Oiseau de sang, oiseau noir, corbeau. C'est la mère. C'est elle, le corbeau. C'est faux. C'est une lettre. C'est vous que j'avais mis la lettre. Moi, mais c'est une lettre. Au fond, le corbeau, c'est peut-être vous.